T'es levé en retard, hein? Tu rêvais à Constance, puis tu voulais plus te réveiller? Maman et Claude sont déjà partis? Ouais. Ils auraient pu me réveiller. Ah, ben, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au moins une douzaine de fois chacun. Mais, Manolo, à force d'être à dernière minute, t'as pas peur de perdre le contrôle, hein? Pourquoi tu me dis ça ce matin? Ben, parce que tout à l'heure, Constance a appelé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de pas t'en faire si tu la voyais pas à l'école aujourd'hui. Elle viendra pas, elle est malade. Mais c'est rien de grave, juste un gros mal de tête. Pauvre Constance, c'est poche. Est-ce que t'as lu le journal d'aujourd'hui? Je viens de me lever, là. Puis de toute façon, dans le journal, il y a juste des niaiseries. Ah, ouais. C'est vrai qu'il y a juste des niaiseries. Les Deadmen vont venir ici en spectacle! Ouais, les billets sont en vente demain midi. Les Deadmen, c'est un des groupes que je fais jouer le plus à la radio étudiante! Ben ouais, hein? Surtout à ton émission du jeudi matin. Ouais. On est jeudi matin, c'est mon émission de radio! Mais Manolo, tes céréales! Monsieur Mongeau, je suis pas sûr que Manolo va aimer ça que vous mettiez de la musique d'ascenseur. Mon gros loup est absent ou en retard, je comble le vide. Ah, mais la musique d'ascenseur, franchement, c'est glauque. T'aimes pas ça, Alexis? Oui. Oui. Oh, papa! Ah! Bon petit matin, Pitchounette. Manolo est pas là. Je comprends mieux pourquoi c'est pas la musique habituelle. Toi aussi, tu te régales en écoutant cette musique, hein? Pas vraiment, non. D'ailleurs, ce matin, tous les élèves ont l'air déprimés à cause de la musique. Ah, mais c'est normal. C'est voulu. Les jeunes, quand ils sont amorphes, éteints, déprimés, sont beaucoup plus calmes. OK. Toi, tu préfères des jeunes plates, mais calmes. Tu remarqueras, Chloé, quand tu prends l'ascenseur, les gens, ils sont toujours calmes, hein? Moi, je pense qu'on injecte dans cette musique-là une bactérie là, qui gruge l'agressivité directement dans le cerveau. C'est quoi ça? C'est mon nouveau projet adopté par la direction de l'école. École zone de propreté. Mm-hmm. Papa, c'est pas encore quelque chose pour écœurer les jeunes? Mais voyons, Chloé. Tu es en faveur d'un environnement plus... environnemental. Oui. Une école propre, nette et pure. Ça, c'est sûr. Une école où il fait bon vivre. Évidemment, personne ne peut être contre ça. En plein ça, je me dis ça. Alors, j'ai fait adopter 382 nouveaux règlements pour une école propre où il y a plus d'hygiène, plus de bien-être. Combien de règlements? Vous dites 382? Oh, mais rassurez-vous, pour que ce soit plus facile à apprendre par cœur, je les ai classés en ordre alphabétique, là. Ben, on va justement y passer, hein? Apoplexie, micro. Bon matin, chers petits enfants, ici votre bon monsieur Mongeau. Désormais, pour votre bien-être, l'école est déclarée zone de propreté. Premier règlement. A. Apitchoumé. Il est désormais punissable d'apitchoumer sans mettre la main devant sa bouche et ses narines. Chaque élève pourra, à son choix, éternuer à l'aide de sa main droite ou de sa main gauche. Vous êtes libre de mettre la main que vous voulez, la plus manuelle. Deuxième règlement. Avion. Oh, papa! Hey, wow! Il est beau! Mais comment il s'appelle? Répète. Comment il s'appelle? Non, répète. Le chiot s'appelle Répète. Ah! Oh, c'est bizarre comme nom. Mais qu'est-ce que tu fais avec un chien à l'école? C'est interdit. Ouais, je le sais. Mais je le garde pour Madame Clément, sauf que là, ma mère, elle veut plus le voir. Comment ça? Il a fait beaucoup de niaiseries. Mais toi, t'en penses-tu que tu pourras aller porter chez vous? Mais chez nous, j'aimerais ça, sauf que Colin est allergique à tout. Tu peux quand même pas l'amener dans ma classe. Puis on peut pas le laisser en liberté dans l'école.
Je le sais, on va le mettre dans notre casier. Pauvre chiot. Non, mais pour récréation, puis ce midi, on ira dehors et faire prendre l'air. Ouais, bonne idée. Ouais, sauf que faudrait faire un petit peu de place dans le casier, hein. Hey, mon sandwich tombe en dépine cornichon. Et je l'ai cherché partout avant Noël. Wow, je pense qu'il est mort. Bon, je vais mettre mon manteau à terre, comme ça il va être bien. Et voilà. Bon, mais ça va. Ça va y prendre de l'eau quand même, je pense. Je vais aller en chercher, surveille-le, OK? OK. Ouais, reste. Après cette magnifique chanson, eh bien, je continue les 27 règlements qui commencent par la lettre A. Allez. Là. Excusez-moi, là, je suis en retard, je sais. C'est un privilège de s'exprimer sur les ondes scolaires. Ça se fait pas d'arriver en retard à la radio. Je suis pas fait exprès. Ah, eh bien, quelles sont tes raisons, brave petit? Je me suis levé en retard. Oh, mais c'est une excellente raison. Je blague. Paraît que vous aimez ça, vous autres, les jeunes, l'humour. En fait, je suis furieux, mon ado. J'espère que ce sera ton dernier retard. Oh, il était temps que t'arrives. T'as vu ça? Ouais, les Deadman. Les billets sont en vente à partir de demain midi. Pourquoi tu dis ça comme ça? On va de l'école, nous autres, demain. Tes parents, ils accepteraient pas de nous les acheter. Déjà que ma mère m'a dit ce matin qu'elle me payait mon billet. Combien? Je sais pas, ça doit être une quarantaine de piastres. 40 piastres? C'est cher. Moi qui voulais acheter un billet pour Constance. Demande à tes parents. C'est archi non, archi assuré. À moins que tu demandes 40 fois un dollar, ça risque de mieux passer, tu sais. Mais non. Je pense que je vais m'arranger pour demander une avance sur mes cadeaux de fête. Essaye. On a un autre problème. Quoi? Il nous faut un adulte. Pourquoi? Pour aller voir le spectacle. Les parents ne nous laisseront pas aller là comme ça. Ben, c'est pas un problème. Toi, t'es plein de père pis de mère. Première chose, Alexis, enlève donc la musique d'épicerie de M. Mongeau. Ah, avec plaisir. Ben, tiens, Chloé, ça va? Ça dépend. Est-ce que je peux avoir ta moitié de notre travail d'équipe? Parce que je l'ai oublié à la maison. Je savais que j'aurais pas dû me mettre en équipe avec toi. C'était la dernière fois. Ouais, il va bien le répéter. Je l'ai toujours trouvé bizarre, mais là, on dirait que ça s'améliore pas. Oh oui, il est content. Salut, Nathan. Oh, salut, ça va? Oui, ça va bien, toi. Est-ce que tu cherches quelque chose? Regarde. Oh, il est tombé cute. Comment il s'appelle? Répète. Comment il s'appelle? Non, 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 il s'appelle, répète. Oh, OK. Ouais, il est super gentil. Là, tu peux pas le garder dans ta case? Non, c'est Sarah qui le garde. Mais il faut pas que ça se sache, hein? Ah! Qu'est-ce que vous faisiez à quatre pattes, là? Des pirouettes de cacahuètes? On cherchait mon verre de contact. Depuis quand tu portes des verres de contact, toi? Oh, ben, vous avez raison, j'en ai pas besoin. Je sais pas si vous le saviez, hein, mais l'école est maintenant déclarée zone de propreté. Bonne idée! Donc, tout ce qui se retrouve sur le territoire scolaire doit être propre, hein? Où est mon sac? Il n'y en est pas question. Quand on n'a rien à cacher, ça ne nous dérange pas d'ouvrir son sac. Ben, c'est ma vie privée, ça regarde personne d'autre. Regarde, Nathan, il n'y a rien à cacher, lui. Des fruits, des croustilles, du chocolat, de la réglisse. Mais voyons, c'est un vrai garde-manger, ça. J'ai le droit. Par contre, il y a un règlement qui stipule que... Il y a un règlement qui parle du transport de la nourriture qui stipule que... J'entends des petits wou-wou. C'est moi. Je répète mon imitation de chiot.
seul petit chien sur le territoire intérieur scolaire. Je sais vraiment pas comment il est arrivé là. Natante, tu prends ce chien, tu l'amènes n'importe où, mais pas dans l'école. Je te donne 5 minutes pour t'enterrir. Et vous, mademoiselle, je vous y allez. Celle-là, as-tu une idée de combien papa, maman et Claude vont me donner d'argent pour ma fête? Ben non, pourquoi? C'est pour les Deadman. Les billets sont en vente demain à midi. Puis qu'est-ce qui te ferait croire que tu vas être à l'heure pour les billets? T'es toujours en retard. Parce que les Deadman, j'aime ça. D'après toi, est-ce que papa accepterait de nous accompagner, Alex et moi, aux Deadman? Papa, il travaille ou il étudie le soir? Il nous faut un adulte. Ben, désolé, je peux pas t'aider. J'ai pas envie de laisser ma sœur que j'aime désolée trop longtemps. Puis, veux-tu m'aider? Ben, comment? C'est très facile. J'étais censé faire une moitié de devoir avec Chloé, mais j'ai jamais... Tu l'as pas fait? Ce que j'aime de toi, Célina, c'est que tu me connais par cœur. Puis, veux-tu, là, pour toi, ça va être hyper facile. Mais pourquoi tu l'as pas fait hier soir? J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps? Qu'est-ce que t'as fait de si important? Ah, tu sais, me brosser les dents en passant à Constance, c'est plus long. Tu changeras jamais, hein? C'est peut-être ça qui fait mon charme. Je me demande si ça va charmer tout le monde tout le temps. Constance, acceptez-vous de prendre pour époux Manolo, ici absent? Manolo, acceptez-vous de prendre Constance pour épouse? Excusez-moi, attendez. Manolo fait dire qu'il va arriver un petit peu en retard. Ben, c'est ça. Non, Constance, mais tu le connais, c'est ça qui fait son charme. Constance! Constance! OK, j'accepte, mais en échange, tu vas faire ma vaisselle la semaine prochaine. Pas de problème. Manolo, honnêtement, là, tu penses pas qu'il serait temps que tu te prennes en main? Surtout pas un mois, Chloé. Vous parliez de moi? Oui, je disais justement que j'irais chercher ma moitié de travail ce midi, là, chez moi. Quoi? C'est pour ce midi? Non. Bon, je retourne à la radio. Il est tellement pas fiable, ton frère. C'est ça qui fait son charme, non? Célina, il faut que tu m'aides. Un autre. Je trouve pas Sarah, puis je sais pas quoi faire du chien. Quel chien? Il est cute, mais ton père veut pas que je le garde à l'école. Oh, je le sais! On va le mettre dans mon sac, mon père me soupçonnera jamais. Tiens, on va le mettre ici. Oh, il est bien cute! Et puis, Tana, le chiot? C'est correct, je l'ai plus. Ouais, ouvre quand même ton sac. Ben, correct. Bon. On me taquine, pitchounette. Ouais. C'est drôle, très drôle. Mais n'oubliez pas les règlements, hein? École zone de propreté. Non, je peux pas garder le chiot, moi. Ben, donne-le-moi, je vais le prendre, moi. Juste pour pas me laisser imposer les règlements de ton père. Je viens de parler à ma mère. Elle accepte de t'avancer l'argent pour les billets. Hey, merci. Puis avec l'argent que je vais peut-être avoir de ma famille, je pourrais acheter un billet pour Constance. J'ai réglé un problème. Là, il en reste deux. Aller chercher les billets avant demain midi, donc manquer l'école. Ensuite de ça, trouver un adulte pour le show. Alexis, on va prendre les problèmes par ordre. Ça donne rien de chercher un adulte pour le show si on n'a pas la possibilité d'aller acheter les billets avant. Ouais. Sais-tu que t'es un gars organisé, des fois? Ouais, je dois dire que quand vient le temps d'avoir du fun, je suis capable d'organiser ma vie. Inspection! Inspection de quoi, monsieur Mongeau? École, zone de propreté, montre-moi ton agenda. L'agenda? Oui, la propreté, ça commence aussi dans l'agenda. Comme vous pouvez le voir, monsieur Mongeau, mon agenda est super propre. Il n'y a rien écrit dedans. Mais voyons, tu ne te sers pas de ton agenda. J'ai pas besoin de ça pour gérer mon temps. Du temps, mon bingo. T'en manques. T'es toujours en retard. À Jexy, à Landa. Mais qu'est-ce que c'est ça?
Des graffitis de Deadman en plus. Je pense qu'il me vient une idée. Je sais pas si c'est bonne, mais je l'essaye pas. Je le saurai jamais. Bonjour, monsieur Monchot, j'ai une immense faveur à vous demander. Alexis et moi, demain avant midi, on manque l'école pour aller s'acheter de merveilleux billets de spectacle. En fait, ce que tu me demandes, là, c'est de commettre un acte scolairement illégal. Oui, s'il vous plaît, mon bon monsieur Mongeau. Jamais de vie! Plutôt mourir que de renier mes règlements. Si je l'avais pas essayé, j'aurais jamais su que ça marcherait pas. Pis, as-tu fini? Tadam! En tout cas, je comprends pas comment tu gères ton temps, mais c'est nono. Ça m'a pris 10 minutes à faire, puis toi, tu vas me faire 5 fois 20 minutes de vaisselle. C'est une nouvelle façon de gérer mon temps. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Ah, un petit chien! Voyons, Sylvain, tu peux pas garder un chien à la maison? Chut! Il est pas à moi. Je le garde pour aider Sarah. Qu'est-ce que tu caches de si intéressant dans ton sac, Salami? Non, tu refuses toujours d'ouvrir ton sac. Avez-vous un mandat de perquisition de sac d'école? Moi, tout ce que je veux, c'est des pleins pouvoirs pour vous assurer un environnement propre. Je pense surtout que vous voulez les pleins pouvoirs pour tout contrôler. Est-ce que quelqu'un me taquine en personnifiant un tiwoubo? Pas moi. J'espère, parce que je t'ai à l'œil, mon bingo. Demain avant midi, avise-toi pas de manquer l'école et d'être malade, parce que je te croirai pas. On sait jamais, monsieur Mongeau, peut-être que je vais croiser une grippe en retournant chez nous ce soir. Ouvre! Y'en est pas question. Ah. Eh bien, mon petit nono, tu sais qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je pourrais, je sais pas moi, par exemple, te permettre de manquer l'école demain avant-midi pour que t'ailles acheter tes billets pour ta musique de singe. Sérieux? Qui sait? On sait pas. De la même manière qu'on sait pas ce qui se trouve dans le sac de ta sœur. Oh non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce ma sœur qui me fait mon travail? Ou est-ce que je perds la possibilité d'aller acheter les billets demain? Si tu n'étais pas toujours en retard, rien de tout cela ne serait arrivé. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis bien. Cher Manolo, Claude et moi, ta mère, sommes très fiers de toi. Hier soir, après que tu aies fait ton devoir, nous avons été émus de te voir aller te coucher plus tôt que d'habitude. Ce matin, apprenant que tes fameux Deadman que tu aimes tant sont en spectacle, nous avons convenu de te payer 2 billets, un pour toi et un pour ta nouvelle copine, Constance. Aussi, ne t'en fais pas, Claude est si fier de toi qu'il ira acheter les billets dès l'aube. Il vous accompagnera discrètement au spectacle. Nous t'aimons car tu es un enfant organisé et très à l'ordre. Ça méritait une récompense. Maman Victoria. C'est sûr que si j'étais jamais en retard, j'aurais pas eu à demander à Sylvain de faire mon devoir. Qu'est-ce qui est le plus important? Les Deadman ou une petite punition pour ta sœur? Ta sœur n'en a jamais eu de punition, ça va lui faire un changement. En plus, une sœur, c'est obligé d'aimer. C'est la vie, mon gars. C'est un chiot! Ma sœur cache un chiot dans son sac! Manolo! Excellent! Allez, petite, suis mon bureau, la directrice. Hey! Vilaine! Tu fais délibérément de la malpropreté. Allez, ton sac et marche, marche, marche. Allez! Hey! Allez! Marche, marche, marche! Allez! On dirait que j'ai été poche, là. Monsieur Bourgeois, attendez! Pour demain? Quand je suis pas fou, j'ai le droit de changer d'idée. Demain, il y a d'école. T'as besoin d'être là. Je sais pas ce que j'ai, mais ça va pas bien, mes affaires. Il est où, chiot? C'est Chloé qui est là. Mais comment ça? Monsieur Mongeau voulait pas qu'on le garde à l'école. Chloé a accepté de le prendre parce qu'elle sait que son père l'accusera jamais de rien. Ah, oh, phew. Chloé, c'est toi qui répète? Ben oui, je te l'ai donné ce matin.
Oui, mais moi, j'ai donné à Céline-là, puis mon père a attrapé Céline-là, puis le chiot. Oh non! Ça, ça veut dire qu'en ce moment, le chiot est... entre les mains de mon père, oui. Oh. J'ai l'argent. Regarde. On sait même pas comment on va faire pour aller chercher les billets. Juste à foxer? Ben oui. Je me fais prendre, je suis en punition, tout le monde est en maudit, puis il n'y a pas un seul adulte qui veut nous accompagner pour le spectacle. Très brillant, Alexis. Sais-tu, je suis en train de me demander si je devrais te confier l'argent. Pourquoi me confier l'argent, là? Pourquoi tu me dis que t'as juste à foxer, là? On va y aller ensemble demain. Hey, hey! Je te signale que je fournis l'argent de ma mère. Je peux pas tout faire, moi. C'est toi qui se lèveras cette nuit aux petites heures pour aller faire la file au guichet. Tout seul. Tu iras avec ta Constance? Elle est malade. Pis, es-tu allé chercher ton devoir? Ah, j'ai oublié. Bon, on va aller chercher ensemble chez vous. On a le temps avant que les cours recommencent, hein? Oui, sauf qu'on n'aura pas le temps de le faire, par exemple. OK, tu l'as pas fait. Non, j'ai oublié de le faire. Oh, Manolo! Hop, 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 qu'est-ce qui se passe, là, ma chouette? Un problème? Quelqu'un t'a quéquine? C'est Manolo. Il a pas fait sa moitié de travail d'équipe. T'es vraiment pas fiable, Manolo, la porte-carpentier. Puis moi qui allais te confier 40 $. 40 $? Hein? Pour de la drogue illicite? Pas en tout. De toute façon, on te croit plus. T'es zéro fiable. T'es pas juste pas fiable, t'es absolument hypocrite, égoïste, etc. Hey, Célina, pourquoi t'as donné mon chien, Monsieur Mongeau? Mais c'est pas moi qui lui ai donné, c'est Manolo qui m'a dénoncé. Ça va mal, tes affaires. Hein, Manolo? Ouf, ouf. Tu verras pas les Deadman. Tu voudrais sortir de ton cauchemar, Manolo? Ouf, ben facile, fais tes travaux toi-même. Est-ce que maman est levée? Il est quelle heure, là? 7h-20. Oh. Puis qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là, toi? J'ai fait un super cauchemar. Hier, j'aurais dû faire un travail que je fais en équipe avec Chloé. Mais bon, là, j'ai commencé à écouter de la musique le temps passé, puis je me suis endormi avec les Dead Men dans les oreilles. Je pense que ça m'a traumatisé. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Mon devoir. Je pense que je vais avoir le temps de mettre mon agenda à jour après. Oh! C'est un méchant cauchemar si ça te fait peur au point de te rendre organisé. N'empêche qu'il y avait quelque chose de bizarre. Oh, mais c'est toujours un peu bizarre, les rêves. Oh, mais là, il y avait une affaire de petit chien, là, je comprends pas. Oh, il est cute, un petit chien! Je m'excuse, Manolo. Tu t'excuses de quoi? Mais j'avais caché le petit chien en dessous de ton lit cette nuit. Mais il faut pas que mon père ou Victoria le voient. Ah ben, t'as juste à l'amener à l'école, hein? Tu pourras le laisser dans ton casier. Mmh. Hey, bonne idée. Je suis pas sûr. Constance, puis tu voulais plus te réveiller? Maman puis Claude sont déjà partis. Ouais. Ils auraient pu me réveiller. Ah ben, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au moins une douzaine de fois chacun. Mais Manolo, à force d'être à dernière minute, t'as pas peur de perdre le contrôle, là? Pourquoi tu me dis ça ce matin?
Mais parce que tout à l'heure, Constance a appelé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de pas t'en faire si tu la voyais pas à l'école aujourd'hui. Elle viendra pas, elle est malade. Mais c'est rien de grave, juste un gros mal de tête. Pauvre Constance, c'est poche. Est-ce que t'as lu le journal d'aujourd'hui? Je viens de me lever, là. Puis de toute façon, dans le journal, il y a juste des niaiseries. Ah, ouais. C'est vrai qu'il y a juste des niaiseries. Les Deadmen vont venir ici en spectacle! Ouais, les billets sont en vente demain midi. Les Deadmen, c'est un des groupes que je fais jouer le plus à la radio étudiante! Ben ouais, hein? Surtout à ton émission du jeudi matin. Ouais. On est jeudi matin, c'est mon émission de radio! Mais Manolo, tes céréales! Monsieur Mongeau, je suis pas sûr que Manolo va aimer ça que vous mettiez de la musique d'ascenseur. Mon gros lot étant absent ou en retard, je comble le vide. Ah, mais la musique d'ascenseur, franchement, c'est glauque. T'aimes pas ça, Alexis? Oui. Oui. Oh, papa! Ah! Bon petit matin, pitchounette. Manolo est pas là. Je comprends mieux pourquoi c'est pas la musique habituelle. Toi aussi, tu te régales en écoutant cette musique, hein? Pas vraiment, non. D'ailleurs, ce matin, tous les élèves ont l'air déprimés à cause de la musique. Ah, mais c'est normal. C'est voulu. Les jeunes, quand ils sont amorphes, éteints, déprimés, sont beaucoup plus calmes. OK. Toi, tu préfères des jeunes plates, mais calmes. Tu remarqueras, Chloé, quand tu prends l'ascenseur, les gens, ils sont toujours calmes, hein? Moi, je pense là, qu'on injecte dans cette musique-là une bactérie là, qui gruge l'agressivité directement dans le cerveau. C'est quoi ça? C'est mon nouveau projet adopté par la direction de l'école. École zone de propreté. Mm-hmm. Papa, c'est pas encore quelque chose pour écœurer les jeunes? Mais voyons, Chloé. Tu es en faveur d'un environnement plus... environnemental. Oui. Une école propre, nette et pure. Ça, c'est sûr. Une école où il fait bon vivre. Évidemment, personne ne peut être contre ça. En plein ça, je me dis ça. Alors, j'ai fait adopter 382 nouveaux règlements pour une école propre où il y a plus d'hygiène, plus de bien-être. Combien de règlements? Vous dites 382? Oh, mais rassurez-vous, pour que ce soit plus facile à apprendre par cœur, je les ai classés en ordre alphabétique, là. Ben, on va justement y passer, hein? Apoplexie, micro. Bon matin, chers petits enfants, ici votre bon monsieur, bonjour. Désormais, pour votre bien-être, l'école est déclarée zone de propreté. Premier règlement. A. Apitchoumer. Il est désormais punissable d'apitchoumer sans mettre la main devant sa bouche et ses narines. Chaque élève pourra, à son choix, éternuer à l'aide de sa main droite ou de sa main gauche. Vous êtes libre de mettre la main que vous voulez, la plus manuelle. Deuxième règlement. Avion. Oh, papa! Regarde! Hey, wow! Il est beau! Et comment il s'appelle? Répète. Comment il s'appelle? Non, répète. Le chien s'appelle Répète. Oh, c'est bizarre comme nom. Mais qu'est-ce que tu fais avec un chien à l'école? C'est interdit. Ah, je le sais. Mais je le garde pour Madame Clémence, sauf que là, ma mère, elle veut plus le voir. Comment ça? Il a fait beaucoup de niaiseries. Mais toi, penses-tu que tu pourras aller porter chez vous? Mais chez nous, j'aimerais ça, sauf que Colin est allergique à tout. Tu peux quand même pas l'amener dans ma classe. Puis on peut pas le laisser en liberté dans l'école. Je le sais, on va le mettre dans notre casier. Ah, pauvre chiot. Non, mais pour récréation, puis ce midi, on ira dehors et faire prendre l'air. Ouais, bonne idée. Ouais, sauf que faudrait faire un petit peu de place dans le casier, hein. Hey, mon sandwich, ton beurre de pin cornichon! Je l'ai cherché partout avant Noël.
pense qu'il est mort. Bon, ben, je vais mettre mon manteau à terre, comme ça il me voit bien. Et voilà. C'est parti. Bon. Mais ça va. Ça va y prendre de l'eau quand même, je pense. Je vais aller en chercher, surveille-le, OK? OK. Ouais, reste. Après cette magnifique chanson, eh bien, je continue les 27 règlements qui commencent par la lettre A. Allez. Là. Excusez-moi, là, je suis en retard, je sais. C'est un privilège de s'exprimer sur les ondes scolaires. Ça se fait pas d'arriver en retard à la radio. Je suis pas fait exprès. Ah, eh bien, quelles sont tes raisons, brave petit? Je me suis levé en retard. Oh, mais c'est une excellente raison. Je blague. Paraît que vous aimez ça, vous autres, les jeunes, l'humour. En fait, je suis furieux, mon ado. J'espère que ce sera ton dernier retard. Oh, il était temps que t'arrives. T'as vu ça? Ouais, les Deadman. Les billets sont en vente à partir de demain midi. Pourquoi tu dis ça comme ça? On a de l'école, nous autres, demain. Tes parents, ils accepteraient pas de nous les acheter. Déjà que ma mère m'a dit ce matin qu'elle me payait mon billet. Combien? Je sais pas, ça doit être une quarantaine de piastres. 40 piastres? C'est cher. Moi qui voulais acheter un billet pour Constance. Ben, demande à tes parents. C'est archi non, archi assuré. À moins que